me touche dans le Tibet, c'est que c'est le toit du monde. C'est géographiquement la région la plus proche du ciel pour notre humanité. Et quelque part, ça l'est aussi par la splendeur de sa nature et par le fait que c'est des dernières grandes civilisations traditionnelles toujours vivantes, en voie de destruction malheureusement. Et il y a là un trésor spirituel et écologique qui fait partie de encore de notre époque, et sa destruction programmée est à mes yeux un des drames absolus. C'est encore une tradition qui a une complétude de moyens spirituels qui témoigne d'une époque de l'humanité, d'un temps, d'une vérité qui se manifeste par d'autres traditions, mais dont il est important ici de conserver la couleur spécifique.